14 mai 1916. On envoya Freddy à la Somme, tandis que le régiment des Mille établit son camp près d'un petit village perché au sommet d'une colline. Le village se nommait Vauquois. Ici, le conflit s'était étendu sous la surface. Terrés dans leurs tranchées, les deux camps creusaient galeries et souterrains. La guerre des mines avait commencé. Alors, il est 22 h, mais vous savez quoi? Comme c'est le dernier live de l'année, enfin, pas vraiment, on va dire. Je vais pousser jusqu'à 23, peut-être même minuit. Exceptionnellement. Là, on a retrouvé les Français. Ah, j'oublie à chaque fois de regarder ça. Vauquois ou la guerre des mines. Tu m'étonnes, la colline ne doit plus ressembler à quelque chose après. Oh non, les journaux. Freddy est vivant. Lucky Freddy. Puis là, rien de nouveau. Oh. Mais des bouteilles de pinard. Ah ouais, on les voit en plus. Oula, c'est quoi ça encore? Non, je vais envoyer le chien lui faire, ça j'y sens pas. Mais non! Mais non, pas ça! Bon, ouais, c'est pas grave. Allez, chien. Tu t'écartes. Bon, on peut rien faire dessus. Quoi? Oh non, on me dit pas qu'il faut aller. Eh ben si. Le gars qui... Étrange. C'est quoi ce délire? J'ai cru un instant qu'elle tomberait pas là, le wagonnet.
Y a pas d'autres mines, j'espère. Oh là là, doucement. Je vais aller là-bas plus tard. Le chien. Ok, bah, je suis obligé d'aller là. Alors, le chien peut aller en deux. Pourquoi faire? Non, il peut pas. Ah mais oui. Ok, là il est là-bas. Ah mince. Juste envie de voir ce que c'est ça. Oh, juste pour ça. Alors, un... Mais du coup, pourquoi il y a cette chose là-haut? Pour ça. Ah ouais, ça sert juste à... D'accord. Ça sert à rien en fait. Oh mais vas-y. Voilà. Oh, il aurait pu me ramener le détonateur aussi. Ah mais oui, il a une jambe cassée peut-être. En plus, ces détonateurs là, ils pèsent assez lourd. Oh, je peux pas prendre les deux. C'est barré le gars là-bas, ouais. Par contre le chien t'as intérêt de te... Allez le chien, tu bouges ou je fais péter. Hopi. Le chien il est invincible. C'est quoi ça? Le chien il a toujours des troupes pour se téléporter et tout, c'est abusé. Un oiseau. Ah, l'oiseau c'était pas pour l'oxygène. Il me semble qu'il y a une histoire comme ça. Les oiseaux sont plus sensibles au manque d'air. Thank you.
Il est accroché par quoi d'ailleurs? Oh merde, ça remonte. Ah, bah faut demander au chien, j'imagine. On dirait qu'il est accroché par les... Il m'a dit « How are you ?» et après il dit « Merci ». Et bien, le gars. Pas creuser ça. Merci mon ami. Adieu. Adieu, direct. Merci mon ami. Oh purée. S'il n'y a pas d'autres choses qui sont apparues ici, les objets, je m'en fous. Les clés, hein. Ah d'accord. D'ailleurs, cette vue, elle est assez intéressante. Hein. Comme quoi, elle est sous leur tranchée à eux, pour pouvoir les faire sauter par en dessous. Pinard. Bon, là par contre, ah non. Ça sera trop simple. Est-ce que je peux actionner les leviers avec la... Oh! Ah, tiens, là-haut. On trouve le gars qu'on a sauvé. Oh non, il est où le chien encore? Allez, ramène-toi! Style.
Le problème, c'est que je peux rien faire là. À moins que. Vas-y, va voler la clé. Les Allemands, ils voient que du feu. Ça se trouve, il veut se carrer, cet enfoiré. Non. Oh, mais il abuse là. C'est quoi ces bugs encore? Merci, Walt. Non. Il voulait pas de caresse. Bon, bah tant pis pour lui, il se téléportera, je pense. C'est bien là-bas que j'ai. Ouais. Ah bah oui, c'est les explosifs, j'imagine. Pour faire sauter la galerie. Ah bah oui, on voit les bâtons de dynamite là. Cadeau de Noël. Oh putain, tout ce qu'ils ont mis. Les officiers français se glorifièrent des lourdes pertes infligées à l'ennemi. Émile, le cœur rempli d'amertume, refusa d'être décoré pour ce qu'il considérait être un acte de lâcheté. En revanche, Émile et Freddy étaient fiers d'avoir arraché le père d'Anna des griffes du baron Van Dorf. Ses recherches ne pourraient plus servir à construire des armes de guerre. Les bonnes nouvelles étant rares, chacun savourait ce précieux moment. Mais les nouvelles qu'apportait Anna n'étaient pas bonnes. Carl avait été tué en cherchant à s'échapper du camp de prisonniers. Non. Apprenant sa mort, Émile tomba gravement malade.